Brigitte Bardot en couple, découvrez qui est le mari de la star du cinéma. Brigitte Bardot n'est pas une femme célibataire. Qui est l'homme avec qui elle partage la vie? On vous dévoile qui est son mari. Brigitte Bardot est une grande artiste connue mondialement dans le monde du cinéma et de la musique. En effet, elle a eu une carrière incroyable et a marqué toute une génération de Français. Elle a envoûté tellement de téléspectateurs qu'elle est devenue une icône. Aujourd'hui, elle n'apparaît plus sur nos écrans dans des films, mais s'investit dans d'autres combats comme celui des animaux. Brigitte Bardot, une icône indétrônable. Depuis ses débuts, Brigitte Bardot fascine les médias, les réseaux sociaux et les milliers de fans. Elle est surnommée avec ses initiales bébé. C'est une artiste aux multiples facettes. En effet, elle est actrice de cinéma, mannequin, chanteuse et militante des droits des animaux. En effet, elle a fondé une association en 1986 qui s'appelle Fondation Brigitte Bardot. À travers cette organisation, elle lutte contre la chasse aux phoques, à la baleine ou encore le commerce de la fourrure. La jolie blonde mène un beau combat et montre l'exemple. Par ailleurs, elle a aussi écrit plusieurs livres. Deux tomes sur ses mémoires, Initial B.B en 1996 et Le Carré de Pluton en 1999. Ensuite, elle a publié Un cri dans le silence en 2003 et Pourquoi ? En 2006. Mais, en dehors de sa vie professionnelle, les admirateurs de Brigitte Bardot ont aussi toujours été très curieux sur sa vie privée. Elle a subi des avortements clandestins qui l'ont traumatisée comme vous pourrez le lire ici. Dans cet article, on vous en dit davantage sur sa vie personnelle. Une vie amoureuse riche. Sa vie privée n'a jamais échappé aux paparazzi. En effet, Brigitte Bardot a connu 17 hommes et plusieurs mariages. Elle a vécu sa première histoire d'amour avec son premier mari, Roger Vadim. Pendant son mariage, elle tombe sous le charme de son collègue de comédie, Jean-Louis Trintignant. C'est son second mariage. Brigitte Bardot commence une autre relation avec un autre homme. Mais, Jean-Louis Trintignant n'est pas dupe, alors, il demande le divorce. Ensuite, la comédienne vivra d'autres aventures avec des hommes. Elle se remariera une nouvelle fois le 16 août 1992 avec Bernard Dorman. Depuis, il ne se quitte plus. Et, on lui souhaite que ça...